Writing on the City, c'est un film à la fois important, passionnant et qui ne devrait en aucun cas justifier d'être poursuivi par les autorités. Aucune œuvre ne devrait entraîner de poursuites judiciaires, mais celui-là, on pourrait dire, puisque c'est un film construit sur l'observation de ce que les habitants de Téhéran ont écrit sur les murs de leur propre ville, tous les habitants de Téhéran, y compris d'ailleurs aussi bien les dirigeants successifs. C'est une histoire politique de l'Iran de la révolution de 1979, de la révolution islamique, de la révolution qui a d'abord renversé le Shah, puis qui a vu le pouvoir, la prise du pouvoir par les islamistes, jusqu'au mouvement vert et donc à la contestation de ce même pouvoir par la population après la réélection frauduleuse de Ahmadinejad. Et c'est un travail artistique, politique et journalistique extrêmement fin, qui uniquement avec les inscriptions sur les murs. C'est pour ça que c'est pas writing on the walls of the city, c'est écrire sur la cité elle-même. C'est la vie politique, c'est la cité au sens politique, en même temps bien sûr que la ville au sens urbain, qu'il a réussi avec ce film relativement court, qui retraverse une histoire qui est précieuse parce qu'elle est mal racontée en Iran, et mal raconté hors d'Iran également. Pour moi, le film est bien meilleur que s'il était un pur film de dénonciation, et même si c'était un très mauvais film, ce serait injustifiable, bien entendu, que Kevan Karemi soit en prison et a fortiori qu'il soit condamné à 223 coups de fouet, mais en plus c'est un très bon cinéaste qui fait un travail qui un film comme Writing on the City, il sera intéressant pour des historiens dans 100 ans, parce qu'il il a accompagné un état de la ville dans sa diversité, dans sa richesse, et pas seulement instrumentalisé par un discours quel qu'il soit. Après avoir été d'abord condamné à des peines encore plus lourdes, grâce au fait d'avoir fait appel, les condamnations ont été ramenées. Mais ça reste incroyablement lourd encore comme condamnation, à un an de prison et à 223 coups de fouet pour plusieurs motifs, mais dont le plus grave du point de vue du droit iranien étant insulte à la religion à cause de slogans qui figurent dans le film. Lui, il n'a pas écrit les slogans, mais il les a filmés. Il faudrait espérer, et je pense que tout ce que nous pouvons faire en ce sens est très souhaitable, qu'au moins il ne lui soit pas administré la peine des coups de fouet, le côté barbare de ce châtiment moyenâgeux, et que si la mobilisation internationale pouvait obtenir que cette partie-là de sa peine ne lui soit pas infligée, ce serait déjà bien sûr un grand soulagement. Ensuite, on peut espérer que dans les mois qui viennent, comme ça arrive, il y a des grâces. Il y a plusieurs échéances, et notamment des échéances politiques au mois de juin prochain en Iran, avec les élections présidentielles. Selon la façon dont ça va se passer, il peut y avoir plusieurs décisions dans des directions très différentes de la part du pouvoir judiciaire, concernant beaucoup de monde, et notamment Kevan Karemi.